Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse d'All Africa. Mali, des joueurs stars de la WNBA condamnent les abus sexuels à l'encontre de basketteuses maliennes. Près de 2 ans après la publication d'un rapport sur ce problème, la Fédération internationale de basketball n'a toujours pas agi pour y remédier. Alors que le tournoi des équipes universitaires de basketball, surnommé March Madness ou Folie de Mars, se déroule aux États-Unis, des joueuses vedettes de ce pays ont ouvertement dénoncé les abus sexuels commis contre des joueuses adolescentes au Mali, ont déclaré aujourd'hui Human Rights Watch et Sport and Rights Alliance. Source, Human Rights Watch. RDC. Dégradation considérable de la situation sécuritaire dans l'Est. L'envoyé de l'ONU en République démocratique du Congo a prévenu mercredi le Conseil de sécurité que la situation sécuritaire dans l'Est de ce pays s'est considérablement dégradée ces derniers mois et que la situation humanitaire y est de plus en plus dramatique. Dans ce contexte, Bintou Keïta a plaidé pour la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire 2023 porté à hauteur de 2,25 milliards de dollars. Source ONU Info. Le Rwanda dédie son nouveau stade à Pelé. Kigali Pelé Stadium est le stade dédié au roi Pelé, décédé fin 2022. Ce stade récemment réaménagé aux normes internationales a abrité la rencontre Rwanda-Bénin disputée le mercredi 29 mars 2023. Gianni Infantino et le président Paul Kagame étaient présents pour assister à l'inauguration du stade Pelé de Kigali le 15 mars dernier. Source Pratmat Info. Ghana, 1 milliard de dollars pour l'autonomisation économique des femmes. En fin de visite au Ghana, la vice-présidente américaine Kamala Harris a annoncé le 29 mars un financement public et privé d'$1 milliard pour les programmes axés sur l'autonomisation économique des femmes. Le financement soutiendra l'élargissement de l'accès aux services numériques, la formation professionnelle et le soutien aux entrepreneurs, a déclaré le bureau de Kamala Harris. Source Dépêche de Brazzaville. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.